Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4. Nous en sommes à l'épisode 7 et j'ai tellement hâte de vous dire on est sur Resident Evil 7 à l'épisode 4, c'est totalement fou. Si vous savez à quel point j'attends le mois de janvier et sur Resident Evil 7, my god, j'espère qu'il va pas être repoussé. Croyez-moi qu'à mon avis celui-ci, hein, il va aller au-delà des frontières de la série Resident Evil. Je pense vraiment qu'il va être totalement fou et qu'il va nous faire nous chier dessus littéralement. Donc, on a une porte. Impossible de l'ouvrir. Ce doit être le seul moyen de quitter ce village. Cette lueur, on dirait un dispositif de reconnaissance rétinienne. Vous l'aurez donc compris, il n'y a pas de poignée pour ouvrir la porte. Et le seul moyen de quitter le village, eh ben, c'est cette porte. Et accessoirement aussi quitter le chapitre 1. Donc, il va nous falloir passer ce dispositif de reconnaissance rétinienne. Et pour passer un dispositif de reconnaissance rétinienne, bah, il faut une rétine. Hein, vous l'aurez compris, il faut un œil, donc. Et bah écoutez, on va aller le chercher, c'est pas grave. Munition sniper, c'est pas mal, ça. Finalement, j'ai... Alors, je sais qu'il y a un nouveau sniper dans pas longtemps qu'on va pouvoir acheter. Mais je suis bien content d'avoir acheté parce que là, cette scène, il me semble que en face, ça va nous casser les couilles. J'ai pas envie de dire nymphe, mais il y a des méchants. Ok, c'est bien ce que je pensais. Ok. Voilà. Yes, on est pas mal. Allez, on reload. On reload parce que c'est pas terminé. Alors, je vais être très honnête avec vous. Si on se prend ne serait-ce qu'une putain de faucille, là ou je sais pas quoi, on est mort. Putain, ah, en plus, je sais ce qui nous attend, les gars. Je sais ce qui nous attend. Et cette scène, elle est... uniquement là pour nous faire gaspiller des putains de balles. Et ça, c'est très relou. C'est très 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 relou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tout seul. Miskina, tu croyais faire quoi? C'est quoi ces vieux villageois? Tiens, tombe des escaliers, Miskina. Bon, on est arrivé. Normalement, il n'y a plus personne. Ok, il n'y a plus personne. Ça va pas être évident. On n'est pas sorti de l'enfer encore. Hein. On avait fait les deux chemins, souvenez-vous, parce qu'on a été ballsy. Hein. Seuls les vrais joueurs, comme je retire un commentaire qui a été dit lors du précédent épisode, seuls les vrais joueurs prenaient le El Gigante. Bah moi je prends les deux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un maxi vrai joueur Kinder Bueno? Ça veut dire quoi? Dis-moi frérot. Bref, on continue les gars. Direction trouver le dispositif de reconnaissance de mes couilles. Mais ça va pas être évident. Il y a un trésor là-haut. Il y a un trésor et pour avoir ce trésor, il faut descendre par ici. Oh oui. Oh là là. Oui, 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 oui. Là, on a un vendeur. Ok, le vendeur qui me mène à où? Qui me mène à notre objectif. Pas super intéressant, soit. On va voir si... Oh. Oh, frérot. Oh, tu régales. Toi-même, tu sais ce qui va se passer. Toi-même, tu régales parce qu'on va devant de gros problèmes. Ok, vas-y. Dis-moi que t'as des petits trucs qui me permettent d'améliorer. Je peux rien optimiser de ce que j'ai. Ça, c'était un petit peu... C'est un petit peu la dégoûtation. C'est un petit peu la dégoûtation, pour être honnête avec vous. Je ne peux rien améliorer. On va pas tout de suite y aller. Parce que croyez-moi que ça va partir en couille très très vite. Je vais récupérer le trésor avant cela. Le trésor qui est juste par ici. Et qui va me permettre... Wouah! Oh yes! Wait. Attends-moi ici, ma soeur. Parce que là, j'avais pas prévu ça en fait. J'ai totalement pas prévu ça. Vas-y, viens finalement. Ok, on va grimper par ici. Alors, elle peut grimper une échelle, hein. Ashley, vous l'aurez compris, mais par contre, elle peut pas en fait. Ok! Ah oui! Alors! Là, c'est assez drôle. Je vais expliquer quelque chose à. Oh putain, saloperie! Ok. À quelqu'un dans les commentaires qui me disait « B-Boy, si tu tires dans le genou d'un méchant, hein, et que tu vas derrière, tu vas faire une technique spéciale. » Alors, vous êtes gentil à essayer de vouloir m'apprendre des choses, hein, c'est pas le problème, je ne vous en voudrais pas pour ça, mais je vous l'ai déjà dit, ce jeu, je l'ai fait aussi énormément de fois, comme sans doute beaucoup d'entre vous à l'époque. Tu dis de la merde, en fait, parce que c'est... On ne peut pas sur les villageois, ça ne fonctionne pas cette technique. Ça va fonctionner qu'à partir du chapitre 2, d'accord? Donc je ne vais pas spoiler, mais voilà, tu t'es foiré frérot, tu t'es foiré. Donc avant de donner un tips, essaye de, tu vois, d'aller être sûr de toi. Mais bon, hey, c'est quand même le plaisir, t'as voulu régaler, il n'y a pas de souci frérot. Mais t'inquiète, il n'y a pas
Hop, deux problèmes. Je connais bien cette technique. De toute façon, on l'a fait qu'on le veuille ou non au bout d'un moment. Ok, on dirait les panneaux de commande, il vaut mieux pas y toucher maintenant. D'accord, ça veut dire qu'on touchera sûrement après. Allez, des petites munitions, grenades aveuglantes, c'est pas superflu. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, munitions de pistolet, c'est pas super... Si, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pas faire les fines bouches. Yo, H, t'es où? Elle est là. Allez, viens, ma sœur. Ouais, je l'appelle H, hein. Depuis, on a créé quand même des affinités, au bout d'un certain moment. J'ai envie de vous dire, ça va, les gars, hein, ça va. Bon, j'ai pas beaucoup de plantes, hein. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. J'ai même un seul soin, d'accord. Très bien. Ça va être super agréable, ce passage de ma vie. Ok, j'ai un soin. Et va y avoir du soulevage. Donc je faisais le malin il n'y a pas si longtemps parce que je me débrouillais bien pour le début, ce qui n'est pas totalement faux. Mais là, à mon avis, ça va pas être évident. On est parti, les amis, sans doute le dernier passage de ce chapitre. Bonne chance à vous, bonne chance. Oh là, non mais rien que vous voyez ça, vous avez pas envie d'y aller, quoi. Rien que vous voyez ça, c'est cuit. C'est comme les panzani, les gars, hein, c'est cuit, hein. Bon. On va s'équiper, et non s'équiquer comme il faut. Je ne sais pas parler aujourd'hui. C'est pas ce qui m'arrive. Très sympa, cette grange, hein. Elle me rappelle un peu Walking Dead. Ok. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Je sais pas si j'ai réussi. J'étais pas prêt. J'étais clairement pas prêt. Hasta luego. Aïe. Damn! Fais chier! Allez, c'est parti, les mecs! Ah ouais, il est dégueulasse, hein! Ah, il est dégueulasse! Il a pas mal de bras, par contre, attention quand même à toi! Non! Non! Wow! Attends, frère! Ok, attends, on va faire une petite pause! On va faire une petite pause, parce que là. Attends, je vais t'enculer comme Jaja. Ok, frère, tu veux jouer à ça? Wow, c'est rien. Boum, tu dégages, mon petit pote. Ok, maintenant, on va lui jeter une petite grenade. Donc là, vous voyez que pour l'instant, il est assez safe. Allez, boum. Ok, c'est pas terminé. Wow. Attends, on va aller là-haut. Ok, pour l'instant, c'est pas dégueu. On s'en sort plutôt bien. Oh, une plante. Ça fait plaisir. Une grenade, ça fait plaisir. Un pistolet, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Ok, il est où? Je ne sais pas où il est. Il est où? What? Il me paraît limite trop simple là pour l'instant. Énerve-toi, frère. Fais quelque chose. Attends, je voulais peut-être pas penser. J'avais peut-être pas pensé à ça. Ok. Ok. Y a pas de souci. Tu veux détrôner. Et tu m'as détrôné. Bien joué à toi. Je ne sais pas comment tu as fait en l'espace d'une seconde, mais tu m'as enculé, mon pote. Ok. Bon. Ok, je vois que monsieur n'est pas réceptif
à mes appels. Et là, t'es avec ces petites salopes. Ça serait pas mal que... Attends, on va y aller discret. Oh là là, putain, sérieux, quoi. Et gros, j'ai compris que t'aimais pas recevoir autant de balles comme ça, mais quand même, je t'ai bien arraché, je trouve. Hein. Il est mort ? Oh non. Oh non. Ok, un plaisir. Bon, c'est cool, on affronte Spider-Man, les potes. Non ! Nickel, un plaisir aussi. Ok, faut mourir, frère. Yes. Je vois que tu fais toujours le même chemin. Je crois que je reprends un coup, je suis clairement pas bien. Ok. Vous savez, moi, on m'a toujours dit que contre les insectes, le plus important, c'était de l'enculer comme jamais. Voilà. Tu comprends? Donc, frère, tu vas rester à terre, parce que ça commence à me saouler, tes conneries. Hein? On va arrêter ça. Oh! J'ai paniqué. Ok, c'est bon. Non! C'est pas bon. Faut tomber. Oh putain. Ok. Bon. J'ai réussi à l'avoir. La fin d'une lignée. Nickel. La fin d'une lignée, le début d'une autre, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, j'ai pris super cher. Ok. On ramasse évidemment le trésor. Sinon, je fais pas tout ça pour ça. Bon, je peux partir. Mais on va pas partir tout de suite. Il y avait un truc explosif ici, tiens. Ah, il y avait aussi des petites munitions, tiens. Ok. Ça me fait un peu chier, les gars. Au final, je trouve quand même que je m'en suis bien sorti. Hein. Soyons honnêtes, je m'en suis bien sorti. J'ai utilisé que 2 soins. C'est pas... Ouais, c'est pour un boss, ça va. C'est relativement propre. Oh, oh oui. Merci, bébé. Ok, bah attendez, on va encore fouiller un petit peu, là. Regardez, des munitions par ici. On sait jamais. Une petite plante verte encore pourrait s'y perdre. Donc, en vrai, 2 soins pour ce qu'on a affronté... C'est pas dégueulasse. J'aurais pu... Même pas. J'en ai utilisé qu'un, pardon. 1 soin pour ce qu'on a affronté, c'est pas dégueulasse. J'aurais pu ne pas en utiliser, je vous l'accorde. Mais voilà, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Je suis assez fier sur le coup. Donc on garde. On garde, les amis. C'est plutôt propre. Bon, on va pouvoir sortir. Il me semble ne rien avoir loupé. C'est parti. Petite sortie à l'américaine. Ok. T'es où, toi? T'es sérieuse, là, ou quoi? Je suis dans la galère, même pas t'as toqué pour savoir si j'allais bien. Tu t'en battais littéralement les couilles, Ashley. Pourquoi Ashley? Ok, bon bah fin de la grange. Ouais, bilan mitigé, les gars. On a quand même beaucoup de balles de pistolet. On a pas mal de balles de TMP. J'en ai pas utilisé tant que ça. J'ai surtout utilisé des balles de fusil à pompe. Donc plutôt worse sur le coup. Et j'ai utilisé... Oh, putain, j'ai utilisé aucune balle de snipe. Ça c'est pas... C'est pas le truc le plus worse ever. Ok. Il me reste une grenade. Pas mal. Un soin. On va dire un soin et demi. Étant donné que ça redonne la moitié. Seulement une herbe verte. Et là, il n'y a pas d'autre herbe. Miskin, personne n'a pitié de moi. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on va acheter... J'ai utilisé encore aucun spray de ma vie. C'est incroyable. Et pourtant, les sprays, bah, ça redonne toute sa vie. Mais c'est un symbole. Quand tu utilises le spray, c'est que t'es vraiment... vraiment en dèche de ouf d'herbe. Et pour l'instant, on a fait 100. Ça, c'est propre. Ok. Refrérot, comment vas-tu? Ça s'est bien passé? Welcome. Bah, welcome, le welcome est de mise. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter? Il me semble que je peux lui acheter un spray de secours, mais on peut... Ouais, il en a qu'un disponible. Lunettes, on s'en fout pour le moment.
Ok. Ok, on peut sauvegarder et se barrer. On va tenter, les amis, de rester avec le peu de vie que j'ai. Et on va voir ce que ça donne. Je vous avoue qu'à un moment, quand le boss m'a mis à terre, j'ai bien cru que j'allais décéder. Hein, on va pas faire les ricanos. Mais... qu'est-ce que c'est que ça, là-haut, là ? Dis-moi pas que c'est le vendeur. On voit le vendeur d'ici, sérieux ? On voit l'autre vendeur. Un vendeurception. Intéressant, tout ça. Ok. Bon. Yo, les gars. Personne ? Rien de nouveau ici ? Ok, il vaut mieux ne pas y toucher, toujours, encore et toujours. Ok, Ashley, vas-y, viens. Je ne sais pas pourquoi. Faut juste que je rentre, là. Pourquoi il y avait un panneau si ça servait à rien? Vous ne pouvez pas abandonner Ashley. Bah, Ashley. Bah, t'es littéralement con, Ashley, qu'est-ce que tu fais? Ok. Bon, bah là, on remonte, hein. Là, il n'y a pas de méchant, pas de scène chelou. On est bon, on a notre œil. De toute façon, avec... tout ce qu'on a vécu ces 2-3 derniers épisodes, ces 3 derniers épisodes en comptant celui-ci, je pense clairement qu'il est de mise, un peu de repos. Hein, ça serait pas mal. On a fait la maison, on a enchaîné sur 2 boss, divisés en 2 chemins, répartis sur 2 chemins. On a fait... qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais moi je viens de par là, moi. Tiens donc, c'est totalement fou. Bon, on va peut-être pas passer la porte tout de suite, si. Attendez... suis-je fou, les amis? Ok. Ok. Non, 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 en fait, j'ai juste pas le choix. D'accord. J'ai voulu me donner un semblant de choix, j'en avais pas. Très bien, écoute. Je sais pas pourquoi j'étais sûr d'avoir vu une porte de couleur verte. Allez, on est-y par les Lascars. Je sais que vous voulez que je vende tout le bifton que j'ai, mais les gars, je suis fier d'avoir tout ce bifton, tous ces trésors. Laissez-moi le garder. Vas-y, analyse mon œil, frérot. Je peux le garder en souvenir collector, les gars. C'est parti. D'accord. Bon. Ok. Il me reste une balle. Ok. Headshot, motherfuckers! Attends, recule un peu, Ashley. J'étais pas sûr à 600%. Très beau. Je suis assez fier de moi. On va éviter de se retourner. Il me semble qu'on ne peut pas les tuer derrière. Je crois. Si, on peut les tuer. On peut. Qu'est-ce que je fais? Je me retourne ou pas? Le beau jeu ou pas le beau jeu? Le beau jeu ou pas le beau jeu? Je ne sais pas. Non, on va pas gâcher une mission inutilement, les gars. J'ai bien envie de les arracher quand même. Il me semble que ça donnait 15 000 en lingots. On the other side of the bridge. You take that one. Okay. Ready? Fin du chapitre, c'est plutôt propre, on s'en sort plutôt bien, 85% de coups au but, et on augmente, hein. On est à 84% en général. Fin du chapitre 1, les amis, on a fait donc un tiers du jeu, hein. Soyons francs, on a fait un tiers du jeu, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a une petite cinématique? On essaye de voir? Non, il y a juste un vendeur, bah nickel, on va pouvoir s'arrêter là. Attendez, bougez pas. Je fouille toujours les petits coins parce qu'il me semble qu'il y a toujours des petits trucs un peu... Non, pas dans ce cas précis. Bon, bah... on a le vendeur, il va nous régaler. C'est plutôt cool. Et on a la machine à écrire. Et on a la petite plante aussi. Eh, propre, frérot. Toi, tu sais régaler, toi. Hop, on sait jamais. Ouais, je confirme. Bon,
ça sert à rien. Welcome. Allez, là, forcément, qui dit nouveau chapitre dit de nouvelles choses à me vendre. Ça, c'est plutôt cool. Alors, carte au trésor, pardon. Mallette. Oh là là, c'est fou. Attendez, c'est pas fini. Le Black Tail, mais on ne va pas l'acheter. Parce que, à la fin, le Rennes 9, une fois amélioré au global, il sera mieux que le Black Tail. Donc, pas super intéressant. Le Broken Butterfly, c'est le Magnum. Ça, c'est totalement fou. Le Riot Gun, qui est le fusil à pompe. Donc, on va revendre le sniper et le fusil à pompe. Et le sniper, un petit lance-mine, parce que ça fait plaisir. Et un lance-roquette, c'est pour les gros moments de difficulté. Bon, on a pas mal de choses à vendre, les gars. On a pas mal de choses à vendre. On va s'en occuper dans cette vidéo. Comme ça, on pourra commencer la prochaine vidéo dans de très bonnes conditions. 26 000. Allez, emmène ça en enfer. Je n'en veux plus. Emmène ça en enfer. Je n'en veux plus. Et on est, on n'a plus rien à vendre, là. On a des petites spinelles. Allez, vraiment parce que c'est vous, hein. Is that all ok, on a deux rubis. Ah, voilà, on a coiffure et tout. On va garder deux, trois petites choses. On va le vendre, ça vaut que dalle. Ok, c'est pas mal. On va garder tout ça à 10 000. On va garder tout ça à 10 000. Œil de chat. Alors attendez, bougez pas l'œil de chat. Faudra sans doute que je le customise. C'est parti, nouvelle mallette, chose indispensable, très clairement. Carte au trésor, on verra à la fin. Parce que croyez-moi qu'avec tout ce qu'on a acheté, on n'est pas frais. Waouh, c'est vrai qu'il y a déjà le Magnum, mais je vais peut-être pas l'utiliser maintenant. Il est pas super important à l'heure actuelle. Fusil à pompe. Ok, fusil à pompe, c'est pas mal ça. C'est pas mal, bougez pas. Hop, parce que vu qu'on a gagné de la place, autant pas faire n'importe quoi. Voilà. Ça c'est propre, je sais pas ce que vous en pensez. Là je suis content, vous allez voir du nouveau matos. C'est ça qui était fou dans Resident Evil 4, c'est qu'ils avaient ce don de rendre vraiment l'aventure. Quand t'avances, t'as envie de continuer. Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas envie de te dire, bon, t'as l'impression d'avoir déjà tout vu en 3 épisodes. C'est toujours nouveau. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au fusil semi-automatique qui sera le meilleur aussi. Voilà. Donc, c'est le sniper, hein. C'est le tout nouveau sniper. Ça, c'est fait. Thank you. Réellement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je pense pas pour le moment, très honnêtement. Pas pour le moment. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Il y a le lance-mine qu'on n'a pas acheté. D'ailleurs, j'ai souvenir de l'avoir jamais utilisé, le lance-mine. Hein. Il vaut que dalle pourtant. Et il vaut combien le Magnum? 38 000, damn, Daniel. Ok, on va optimiser avant. On va optimiser. Parce que ça, c'est très, très, très important. Ok, je peux utiliser... Oh ouais, bébé. J'ai pas assez d'argent, t'es sûr? Oh ouais, bébé. Ok, j'ai pas assez d'argent, dit-il. Très bien, bon. Il est temps de revendre 2-3 petits trucs. Parce que là, on est quasiment, voire dans, me semble-t-il, les armes définitives. Donc... Il est temps d'aller faire un tour du côté des trésors. Me semble, œil de chat, combiné. Yes, il est complet. Putain, c'est beau quand c'est complet comme ça. Oh, on n'a pas loupé beaucoup de choses. Hein. Ok, on n'a pas loupé beaucoup de choses. Hein. Reparle-moi, frérot. Ah, je suis content. Je suis content, les amis. Comme quoi, il en faut peu dans la vie pour être heureux. Et qu'est-ce qu'on va vendre? Alors, vas-y, dis-moi tout. 20 000, c'est pas mal, ça. Allez. On finit le chapitre avec une shop complète. Je vais vendre ceci. Voilà, j'ai pas envie de tout vendre, hein. Il y a des trucs que j'ai envie de garder. La bague, elle est stylée, je vais la vendre. Je vais la garder, pardon. Et si ça vous pose un problème, bah c'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est mon aventure. Alors on est parti, on va améliorer ce qui ne changera plus. Donc là, TMP, ça, améliorer impérativement. Et l'arme fusil semi-auto. À améliorer aussi. Ça, c'est pas ouf. Par contre, la vitesse de rechargement, je trouve ça un petit peu plus ouf. Ok, j'ai pas envie de vous dire nimp. Je vais peut-être lui vendre. Bougez pas. Parce que j'ai envie de m'acheter la carte. La carte du château. Ce serait pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut lui vendre de sympa, là, pour compléter? La crosse, non. L'herbe verte, non. C'est pas fou.
Bon, allez. Ah, allez, je vends la bague, ça me fait chier, mais bon, les gars, c'est pas grave. Et boum, on est pas mal, c'est plutôt worse. Hein. Là, ça me coûte 6000, mais on s'y retrouve largement. Bon, bah écoutez, oh, vous l'avez vu le petit trésor derrière là? Attendez. Ah yes, c'était comme ça. Ah oui, j'ai pas besoin de lunettes, gros. On est large. Vous l'avez vu là, le gros trésor là? Attends bébé. Wait. Bouge pas. Attends-moi, Ashley. Oh, une spinelle, ça c'est cool. C'est derrière. C'est derrière que ça se passe comme ça. Yes. What? Ah, salope. Saloperie, va. C'était pas le moment, putain. Ok, on va peut-être pas l'arracher au snipe, le bordel. Un œuf, s'il te plaît, dis-moi que t'avais un œuf. Merci. C'est mieux que rien. Je prends. Allez! On a quoi là-dedans? Mais oui, 5000 pesetas. Putain, ça se passe comme ça chez McDonald's. Ok, très très bon ça, les gars. Très très bon. Je l'avais vu du coin de l'œil. On est bon. Donc, Ashley, follow me. Suis-moi. On sauvegarde. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.